Je veux vous montrer comment se connecter à haut niveau via vos smartphones et devices mobiles, de type iPhone ou de type Samsung. La première chose à faire, c'est de remplir automatiquement les champs afin de faciliter votre connexion sur les différents navigateurs de votre mobile. Je vous fais la démonstration sur l'iPhone. Cliquez sur Réglages, allez ensuite sur Safari. Vous avez ensuite dans Général, Remplissage automatique, où vous allez avoir à cocher Nom et mot de passe sur vert. Les coordonnées doivent être également sur le vert. Vous revenez en arrière et ensuite vous allez sur votre navigateur Safari. Arrivé sur le navigateur Safari, la chose que vous avez à faire, c'est de taper tout simplement l'adresse intranet.ffr.fr. Vous validez. Vous voilà connecté à l'intranet sur la page d'authentification. Tout comme sur les ordinateurs, login, votre numéro de licence, mot de passe, votre mot de passe. Vous pouvez voir que sur mon écran, les champs sont automatiquement remplis. Quand vous allez appuyer sur OK après avoir rempli ces champs, votre téléphone va vous demander si vous souhaitez enregistrer votre mot de passe. Vous mettez oui. Je valide. Je suis connecté à mon intranet. Vérifiez bien que l'onglet haut niveau apparaît. Sélectionnez haut niveau. Vous voilà connecté à haut niveau. Vous avez exactement la même interface que celui d'un ordinateur. À la seule différence, c'est que la barre des menus n'apparaît pas. Si vous souhaitez faire apparaître la barre des menus afin d'interagir avec haut niveau, cliquez sur le logo de niveau tout en haut à gauche. La barre de menu apparaît avec tous les onglets d'utilisation de niveau. Si vous voulez retirer cette barre et avoir accès à l'écran principal, vous rappuyez une nouvelle fois sur haut niveau. Maintenant, afin de faciliter l'utilisation de niveau car vous allez devoir vous connecter au minimum 3 fois par jour, je veux vous montrer comment mettre un raccourci de niveau sur votre téléphone portable. La première chose à faire, et tout simplement de ne pas mettre haut niveau directement en raccourci, mais de mettre votre page de connexion intranet en raccourci. Pour ceci, il vous suffit juste de cliquer sur le carré avec la flèche vers le haut, puis de mettre raccourci sur l'écran d'accueil, donc le carré gris avec la croix blanche dessus. Vous cliquez une fois dessus, il va vous demander de mettre une nouvelle icône, avec comme nom FFR Intranet FF Rugby. L'adresse, vous ne la changez pas, vous ne changez pas le nom, vous cliquez directement sur Ajouter. Ainsi, vous vous retrouvez sur votre écran de téléphone avec un nouvel onglet FFR Intra. Si vous cliquez dessus, ça ouvrira automatiquement cette page directement sur l'intranet pour accéder directement à haut niveau.